Écoutez, je vais vous surprendre. L'étranger n'a même pas besoin de donner un diktat au gouvernement actuel, à nos dirigeants actuels. Ils sollicitent les décisions étrangères. Ils attendent de l'étranger les moyens de solution des problèmes nationaux. Comprenez bien, vous avez affaire, ce n'est pas seulement une démission. Ce n'est pas seulement, comme on dit, un sous-sous. Non, non. Il y a, ça va beaucoup plus loin. Il y a une volonté d'être esclave. Une volonté d'être esclave. On vous convoque à une ambassade, le président de la République va à une ambassade recevoir des injonctions. On vous convoque à l'étranger, le président de la République va à l'étranger pour entendre les récriminations et les remontrances d'un ministre de la justice étranger. Comprenez-le bien, vous arrivez à un degré. Ce n'est pas la dépendance qui explique ça. Beaucoup de pays sont dépendants, mais on ne les voit pas faire cela. Il faut aller au-delà. C'est l'atavisme de l'esclavage colonial qu'on retrouve dans le comportement de certains Haïtiens qui considèrent que tout ce qui est bon dans le pays vient du blanc, tout dépend du blanc, tout doit provenir du blanc. C'est le blanc qui a raison, même quand le blanc, de bonne intention, parce que moi je ne suis pas de ceux qui accusent en disant qu'ils sont ici méchants pour nous tuer, pour nous exterminer, je ne le pense pas. Mais je dis ceci, même avec leurs bonnes intentions, il y a des réalités du pays auxquels ils doivent être introduits avant de pouvoir faire les choses correctement. Le rôle de l'haïtien est capital quand il s'agit des rapports avec l'étranger. Or, c'est ce rôle qui s'est effacé. C'est ce rôle qui n'existe pas. C'est pourquoi, quand on parle d'ingérence, j'entends des gens parler d'ingérence, des patriotes, je souris. Car il n'y a même pas d'ingérence. Les gens sont, c'est choual papa, non jardin papa. Vous comprenez bien, si vous avez une propriété clôturée et que l'animal d'autrui veut entrer chez vous, il va faire une infraction. Mais si on n'a pas de propriété clôturée, s'il n'y a rien, l'animal tout naturellement entre en pâturage sur le terrain vide qu'il constate. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Nous avons une absence de sens collectif. Une absence de sens de l'intérêt national. Donc ne venons pas nous plaindre après des étrangers. Mettez de l'ordre d'abord chez vous. Faites votre clôture. Mettez vos principes. Affirmez votre droit de propriété, même si ce droit de propriété doit être asservi à des conditions.